Selon la NASA, savez-vous combien il existerait de planètes de la même taille que la Terre uniquement dans notre galaxie? Est-ce qu'il y a encore plus qu'un nombre de céréales dans la boîte? Beaucoup plus, Nadia, beaucoup plus. Yahweh, il n'est pas 3? Mais non, Fatima, voyons plus que ça. Non, non, je dois mener un sondage aujourd'hui et je n'ai pas encore étudié pour mon examen technique de rédaction. Tu t'en fais pour rien, tu t'en sors toujours, tu sais bien, Fatou. Dis un nom. Soussou, la galaxie, c'est bien beau, mais moi j'ai les deux pieds sur Terre et je dois trouver un moment pour étudier. Titi, selon toi, combien de planètes semblables à la Terre? Terre, il y a là! Qu'est-ce que tu fais là? T'arrives super tôt? Je suis venue avec ma mère. Il faut absolument que je parle à Julie-Pierre avant le début de cours. Julie-Pierre, l'amie de ta sœur? Vous voulez dire quoi? Je vais lui donner mon nom pour le journal. C'est la responsable qui était pas là hier. Ah ouais. J'espère vraiment qu'elle a recruté d'autres personnes. Il faut 5 noms d'ici vendredi, sinon pas de journal cette année. Ouais. Hey, Mélanie, je savais pas dit ça. L'autre jour, j'ai vu Lady Gaga au centre conversationnel avec sa robe de viande. Oh, wow! Hein, bien sûr. Ah, deuxième jour d'école et déjà en retard. Bravo, ça commence bien, Samy. Hmm? Je pense que tu dois, là, j'ai mal dormi. C'est l'école qui t'angoisse comme ça, bol-bol. Ah, je suis sûre que c'est à cause de sa prof de français. Il paraît qu'elle est genre super sévère. Hey, c'est rendu que t'écoutes aux portes, toi? Ah, ben, t'as juste à parler un petit peu moins fort à tes amis sur l'ordi. Allons, Bol-Bol. Tu sais bien qu'elle ne pourra pas résister à ton charme, ta méchante prof, hein? Samy, mon fils, d'après la NASA, combien il y aurait de planètes? Papa, s'il te plaît. J'ai encore le cerveau endormi. Mange, Habibi. Ça va te réveiller. Ah, merci, t'es la meilleure. Je sais. J'ai fait mijoter un tahine toute la nuit pour ton lunch. Oh, yes. T'es la meilleure des meilleures. Je sais. Tu es sûr qu'il est cuit ton tahine parce qu'on a manqué d'électricité hier soir, hein? Comment on a manqué d'électricité? Ben, quand je me suis réveillée, toutes les horloges clignotaient. Yahweh, la minuterie du four s'est arrêtée. Non, on voit que j'attends à ce soir pour y goûter. À moins que tu viennes dîner à la maison ce midi, hein? On sera un peu pressé, mais ça devrait aller. Hein? Cool. Pour te donner un indice sur le nombre de planètes, je peux te... Désolé, pas, mais j'ai pas le temps. Faut que je finisse de me préparer. Eh ouais, hein, moi aussi, je suis pas mal. Bye! Allons, je t'écoute maintenant. Dis-moi combien de planètes. 17 milliards. Devant toi, famille. Au thème. 17 milliards, c'est pas rien, il me semble. Mais si on parle pas de nourriture dans cette famille, la science, rien à faire. Toi, Samy, le trouves-tu cute? Samy? Ben, cute, là, mais il m'intéresse pas, c'est juste un ami. Tant mieux, parce que moi, là, je le trouve fun, cute! Mais parle-en pas, là, parce que je veux vraiment pas que ça sache. Si tu veux pas que ça sache, il va falloir que tu sois un petit peu plus subtil. Hein? Et comment ça? Ben, mettons, hier, à la cafétéria, tu riais pas mal fort de ces trucs, hein? Je riais pas si fort que ça. Ah! Il s'en vient. Salut, les filles. Salut, Samy. Ça va? Je vais te dire ça dans une heure, quand je vais avoir fini de me réveiller. Ah! Bravo pour le soutien. Oh my god, je viens de voir Julie-Pierre. Bye! Julie-Pierre! Bon, putain que ça. Je pense plus que c'est parce qu'elle voulait avoir le temps de finir le dictionnaire avant que la cloche sonne. Je voulais juste savoir si tu pouvais mettre mon nom sur la liste des personnes intéressées pour faire l'équipe du journal. De qui c'est? De qui c'est? Mais de qui c'est, là? C'est pas toi la rédactrice en chef du journal? Ah, ouais, le journal. Aïe, j'avais quasiment oublié ça, moi. OK. Est-ce que c'est encore toi qui t'en occupe? Ça a l'air. Ça a l'air de t'intéresser, en tout cas. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, c'est juste que... Tu sais, je me demandais si toi t'aimais ça, t'as occupé du journal. Bof. C'est surtout pour me donner plus de chances au gala méritas de fin d'année. Ah! Donc,
tu veux mettre mon nom sur la liste? Oui, oui, je vais mettre ton nom. Quand ça? Dans 2 secondes. Est-ce qu'on est beaucoup sur la liste? Je sais pas trop, là. En tout cas, il y a au moins toi et moi. Cool. Regarde, je t'ai dit que j'allais le faire, je vais le faire. Tu me fais pas confiance. Hey, tellement. Oui. Oui. Oh, je pourrais faire un calendrier avec des photos de toi, puis de moi. J'ai un logiciel pour ça sur mon ordi. C'est une bonne idée, mais... On pourrait le mettre juste en dessous du miroir, là. J'ai mis un petit crayon, on va pouvoir s'écrire des messages. C'est quoi, ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas moi qui ai écrit ça, en tout cas. Le petit graffiti sur une case, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que c'était pas là hier. Puis SP, ça veut dire simple acide. C'est clairement quelqu'un qui essaie de me niaiser parce que j'ai pas été accepté au collège. T'as été refusé? J'ai pas vraiment été refusé, là. Il était 2e sur la liste d'attente. 2e. Ouais, le 2e. C'est peut-être pas ça, Vincent. En plus, il vient d'être fait, là, il sent encore le marqueur. Ben, où tu vas? Trouver l'épée qui a fait ça, là. Je suis sûr qu'il est pas loin. Bon, ben, je vais y aller, mon cours est à l'oubli. Est-ce qu'on mange ensemble ce midi? Non. Je vais dîner chez moi. Ma mère a préparé un tagine. Oh, chanceux! C'est midi à la cafétéria, c'est du foie de veau sauce brune, ça a l'air dégueu. Du tagine, ce serait bien meilleur. Du tagine. En tout cas, j'aimerais full ça pouvoir en manger. Ben, veux-tu venir dîner chez nous? Oh, ben, je sais pas, là. Je veux pas déranger. Non, ça te dérange pas, mais on peut le laisser faire. Non. On laisse pas faire. C'est super. J'aimerais full ça. OK. J'habite un peu loin, par exemple. Il va falloir marcher vite. Ça me dérange pas, Samy. Moi, j'aime full ça, marcher vite. OK, mais je vais appeler ma mère. T'aimes le tagine? Ben oui! En fait, je sais pas c'est quoi, là, mais je suis certaine que c'est super bon. Bonjour! Aurez-vous quelques minutes pour répondre à mes questions? Ah, oui! Eh bien, excellent! D'abord, êtes-vous consommateur de... excusez-moi, mon superviseur me réclame, je vous reviens tout de suite. Vincent, il t'est arrivé quelque chose à Bol-Bol? Ben non, c'est moi. J'ai pris le sel de Vincent. Je voulais savoir si je pouvais inviter une amie à dîner. On sera un peu pressé, Habibi, mais bon, ça va, elle peut venir, hein? Ok, merci. Est-ce que c'est Maud? Non, tu la connais pas, c'est Mélanie, la fille du directeur. Ah, la fille du directeur! Mais non, c'est pas une amie ordinaire, ça! Il faut la recevoir avec classe! Non, maman, elle est super gentille, tu vas voir. Rien de spécial, là. OK? OK, Bol-Bol. Bisous, bye-bye! Bonjour, monsieur. Mon superviseur me réclame pour des raisons familiales. Toutes nos excuses et bonne journée. Oh! Salut! Hey, as-tu ton nom depuis tantôt? Aucun mot. Zéro. Est-ce que je viens de répondre à tes 3 textos? Oh, je sais, ok. Là, je peux plus texter. Mélanie a pris son sel. Ça fait que je suis venue te le redemander en personne, tu comprends? Ah, il a été vraiment intense. Oh, un nouveau nom? Non, c'est pas un nouveau nom. Mais si ça t'intéresse tant que ça, occupe-toi-en donc toi-même de la liste. Moi? Ben, est-ce que j'ai le droit? J'ai juste à dire à Madame Préfontaine que c'est toi qui vas le remettre. Dans le fond, ça m'arrangerait de pas m'en occuper. Ah! Oh. Ben, dans ce cas-là, OK. Surtout que Madame Préfontaine, c'est ma prof de français, puis c'est moi le français, c'est ma matière forte. Dans le sens que, hein, le français, nous autres, les journalistes, on aime bien ça, hein? Dîner chez lui avec Mélanie. Samy a invité Mélanie à dîner chez lui? Disons que c'est plutôt Mélanie qui s'est invitée. Wow. Il va vraiment falloir que je lui apprenne la définition du mot subtilité. Oh, c'est vraiment plate qu'il soit pas là. Je vais les recruter avant le cours de français. Tu t'occupes du recrutement du journal. Ouais, t'es rendu big? Ouais. Bon, en tout cas, si tu les vois, tu leur diras que je les cherche, OK? Puis moi, j'aimerais ça, moi, être journaliste. T'es même pas capable d'écrire ton nom sans faire de faute. Ben, c'est pas grave, ça, aujourd'hui, avec les correcteurs automatiques. C'est non. Je suis assez désespérée.
Maman, je crois que quand mon amie Justine est venue manger, on n'a pas mis la belle nappe, la vaisselle puis les fleurs. Mais parce que... Ah, ils arrivent. Assieds-toi, Didi. Non, reste debout. Faut qu'elle va t'appeler Rob, hein. Bonjour. Mademoiselle, venez. Oui, allez. Mélanie, je te présente ma mère, Fatima. Et ma petite sœur Nadia. Allô. Enchantée. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est vraiment gentil. Il paraît que votre tagine est malade. On dit du tagine. Ah oui, bien. Je sais pas s'il est malade, mais il est très, très bon. Hein? Et j'ai rajouté une petite touche québécoise rien que pour toi. Hein? Des canneberges. Des canneberges. Ouais. Bon, asseyez-vous. On est un peu pressé, malheureusement. Hein? À toi. Je vais aussi aller voir Madame Préfontaine pour lui demander si elle a du monde bon en écriture à me suggérer. Bonne chance. À ce qui paraît, elle n'est pas super cool. Ben, s'il faut, je vais lui parler du livre de Christine Brouillet que j'ai lu cet été. Ça va me rapprocher. C'est qui, ce Christiane Brouillet? Christine Brouillet. Je la connais pas. Elle écrit des romans jeunesse, mais aussi des vrais romans, surtout des polars. Têteuse de prof. Projet du privé. Ouch. C'est beau, hein? Les fleurs, la nappe, la vaisselle. Ouais, on met toujours la table comme ça. Hein, c'est comme une tradition. C'est même pas frais. Didi. Ça sent bon. T'as-tu un chat? Non. Un chien de bord? Non plus. C'est genre vraiment poche, ça. Avec ça, ma boîte vocale va être pleine ce soir. Je vais juste se recruter. Ok, on va aller. Victoire, dis-moi donc, qu'est-ce que tu penses des nouvelles affiches de monde? Quoi? Ah, t'as pas tes lunettes, tu peux pas les lire. T'as pas des graffitis de rejet de Saint-Placide à effacer, toi, Vincent? Hein? T'aimes pas ça, Magno? Oui, j'adore ça. C'est juste que j'en mange vraiment pas souvent. Bol, pourquoi tu n'as pas dit que mon tahine ta base d'agneau? Ah, j'y ai pas pensé. Désolée, Mélanie. C'est correct, Samy. Tout le reste est super bon, hein, surtout les canneberges. Samy aime pas ces canneberges. Ah, ben non, je les garde pour la fin. Sortez-vous ensemble. Didi, baisse. Ça suffit. Ben non, on est juste des amis, hein. Puis, t'as-tu fini avec tes questions par rapport? Il arrive, c'est Soussou, Saad, mon mari. Juste des amis. Bonjour tout le monde, bon appétit. Papa, tu viens dîner? Tu as apporté la menthe pour le thé? Tu peux te bouger une madame, c'est là. Bonjour Mélanie, je suis Saad, le papa de Samy et de Nadia. Oui, pour ça, elle avait compris. Enchantée. Mon père mange jamais à la maison. Mais à son bureau, il y a beaucoup de travail, donc il mange pas souvent. Ben, j'espère que vous n'êtes pas venu dîner chez vous juste pour moi. Mais non, pas du tout, voyons. Hein? Non, c'est vrai que j'avais beaucoup de travail, mais pour rien au monde, je manquerais le tahine de ma femme. Hein, voyons. Soussou, tu me calais sur le téléphone. Ta mouche, là? Au mal mine. Excusez, ce sera pas long. Allô? Je m'excuse de déranger, là, mais j'ai pas le choix de t'appeler maintenant. André m'a passé son sel. Je peux-tu faire partie du journal étudiant? Ah, je trouve vraiment personne, là. J'ai juste deux noms. Non, ça me parle vraiment pas. Peux-tu demander à Samy, c'est bon? Ok. Car c'est vraiment pas le temps, hein? Allez, on est encore en train de manger. Puis sa mère nous a préparé un super bon tagine. Tagine. En tout cas, fais le message à Samy, ok? Ok, oui. Bye, ok? C'était qui? Gigi, c'est pas poli. Les appels téléphoniques, c'est personnel. C'est correct. C'était mon ami, Maude. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Bol. Je le dirai tantôt. Ah. Quelle heure, oui, Emily, je trouve qu'elle là. Déjà? Y'a là, dépêchez-vous, vous allez là. Viens, Willy! Et de best friend, moi! Quelqu'un peut me dire pourquoi il y a des canneberges dans mon tahine? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Ah, oh, ouais, fais de l'air. Tu réussis à recruter des nouveaux journalistes? Bon, va-t'en. Bonjour, Madame Préfontaine.
Je veux vous parler au sujet de la liste des personnes intéressées à... Excuse-moi, mais de quoi tu parles exactement, jeune fille? Je parle des personnes intéressées à faire partie du journal étudiant. Ah, avez-vous des suggestions pour moi? T'es une de mes élèves? Oui, je m'appelle Julie Pierre, j'ai la part de Maud qui a dû vous prévenir pour le journal. Mais t'es pas la Julie Pierre Isabelle du journal. T'es une autre Julie Pierre? Oui, Maud. T'es une autre Julie Pierre? Non, je m'appelle pas Julie Pierre, je m'appelle Maud, hein? Pas Julie Pierre, Isabelle Alain Fraser, hein? Maud Alain Fraser, c'est ça mon nom. Et toi, jeune homme, mais ah. Tu es... Vincent Bocage. Moi aussi, je suis dans votre cours. J'ai lu le dernier roman de Christine Brouillet, ce matin, fermé dans ma chambre, et je me suis dit que ce serait une bonne auteure à faire découvrir la classe. Bonne idée, en effet. J'en prends note, Vincent. Pourra revenir à la liste. Maud, oui. J'ai pas trop saisi le sens de ton histoire de liste, là, mais on en reparlera plus tard, parce que là, j'ai un cours à donner. Hein? Bon. Et bravo pour tes lectures. Bonne fin de journée. Bye, bye, bye. Vincent Bocage. T'es comique mort. Puis, comment ça a été avec Mélanie? C'est correct, là. Il s'est rien passé de spécial. Samy, tu vois vraiment rien, hein? C'est écrit en 3D dans sa face, là. Je suis pas sur toi. Oh, arrête avec ça. Voyons, Samy, réveille, là. Elle est super intense, là. Si t'es pas clair avec elle, ça va se retourner contre toi. Oh, elle est pas si intense que ça. Samy! J'ai oublié mon sèche-cheveux. Ah, c'est pas grave, tu passeras le chercher. Non, je vais te le rapporter demain. Non, c'est correct, je vais passer chez vous. Puis tant qu'à être là, on pourrait peut-être étudier un peu. J'ai rien compris au cours de maths de ce matin. Tu pourrais peut-être m'aider? Oui, si tu veux. Super. J'ai encore, hein, mais il faut vraiment que je parle de la liste des personnes intéressées à faire partie de l'équipe du journal. Ah, ben d'accord. Pardonne-moi d'avoir été un petit peu expéditive tout à l'heure parce que je viens d'arrêter de fumer. Ça me rend impatiente, la location. C'est bon. Alors, liste? Ah oui, en fait, c'est simple. Julie Pierre m'a demandé de m'occuper de la liste à sa place. Ah bon? Oui, mais elle a oublié de vous prévenir. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de confusion. Voilà la liste. Oui, donc, Julie Pierre-Isabelle, Maud Alain Fraser, Océane Leblanc. Je la connais pas. Ben, je lui ai enseigné l'année dernière. Océane avait beaucoup de difficultés en français, puis elle manque beaucoup de rigueur. Oh non, je peux pas cautionner sa candidature pour le journal. Oh, Vincent! Mm-hmm. Hey, je pense que je viens de trouver un excellent candidat. Vincent, il m'a l'air sérieux, il est très curieux, puis en plus, il lit Christine Brouillet. J'ai pas lu tous ses romans quand même, mais... Proche. Ah oui, c'était quel ton préféré? Le troisième. Oh, c'est quoi le titre? Vincent, aimerais-tu ça faire partie de l'équipe du journal étudiant? Pourquoi pas? Hein? Ah, je me vois très bien faire des enquêtes. Mes amis me surnomment Monsieur Déduction. Bon. Bon, ben, trois candidats trouvés. On en a seulement deux pour vendredi. Finalement, Mélanie... Ce sera pas long, là. J'ai presque terminé. Je pourrais pas t'aider avec tes maths. J'avais déjà promis à Vincent qu'on chillerait ensemble cet après-midi. Oh. Ben, c'est pas grave. Je chillerai avec vous autres. Tu m'aideras une autre fois. Avez-vous d'autres suggestions? Madame Préfontaine, j'ai complètement oublié de vous dire que c'est ça va, Julie-Pierre. On s'est arrangé. Je pense à ça, d'accord? Ben, bonne fin de journée à tous les trois. Ça tombe bien que je vous vois, il faut que je m'excuse. J'espère que tu t'excuses. À cause de toi, j'ai eu l'air d'une vraie folle devant Madame Préfontaine. C'est pas ça pour toutes. Je m'excuse à vous deux pour la case. Comment ça? C'est moi qui avais votre case l'année passée. Pas vrai. Une amie a voulu me niaiser en écrivant les initiales d'un gars sur qui j'ai eu un kick l'été passé. Sébastien Picard. SP, c'est pour Sébastien Picard. Sauf que là, je viens de voir que la case est toute bambouillée. Un petit graffiti sur une case, y a rien là. Ah, mais c'est quand même interdit dans le code de vie de l'école. C'est une journée de suspension, je pense. Elle a vraiment pas de cas sérieux. Voulez-vous que je la dénonce? Oui! Non, je mérite pas ça, quand même. Je vais aller voir le concierge. Il doit sûrement avoir un produit pour ça. Sûr? Tout le monde a le droit à une deuxième chance. Ah, monde. Hé, j'en reviens pas. SP, c'est pour Sébastien Picard. Ben oui! T'avais pas pensé à ça, Monsieur Déduction?
parce que ma mère aime pas trop ça quand j'invite plus qu'un ami chez nous après l'école. Je le sais. Coucou, Bol-Bol! Mélanie, je me disais que je pourrais venir chercher Bol-Bol et j'apportais en même temps un petit peu de tahine à ton papa. Oh, c'est vraiment gentil, Madame Mazari, merci. Mais mon père est parti en réunion dans une autre école. Oh, c'est pas grave, tu peux lui apporter quand même. Hey, j'ai une meilleure idée que ça. J'ai oublié mon cellulaire ce midi. On pourrait aller chez vous ensemble, je prendrai mon téléphone, puis je repartirai avec le tagine chez nous. Mais quelle excellente idée! Génial! Puis tant qu'à être là, on pourrait peut-être faire un peu de devoir, hein, Samy? Mais oui! Super. Ça dérange pas, hein, même si Samy a déjà invité Vincent? Mais non, pourquoi? Oh, mais parce que... Bol-Bol! Oh, c'est mignon! Des fois, ça vous dérangeait quand il y avait plus qu'une personne. Oh, est-ce correct, hein? On va faire nos devoirs à trois. Oh, ça va aller plus vite. Ah, c'est bien. Allez, bien. Il aime l'agneau? Oh oui, je suis certaine que oui. T'es belle. Merci, Nadia. Mon frère aussi te trouve belle. Didi, c'est pas bien de dévoiler les secrets de Bol-Bol, hein? C'est Bol-Bol qui te dit ça? Non, mais il est bizarre quand t'es là. Est-ce qu'il t'a parlé de moi? Bon. Il est où, Bol-Bol, hein? Bol-Bol, il est dehors, il joue au hockey avec Vincent. En tout cas, si tu deviens la blonde de mon frère, faudrait mieux que mes chiens. Parce que je vais bientôt en avoir un. Veux-tu la laisser tranquille un peu, hein? Oui. Bon, mais moi, je vais y aller. Merci beaucoup pour les balaouais, hein? Salut! C'est cool, cette fille-là, hein? Cool, il est bien pour ce coup. Salut, les gars! Salut! Bon, Samy, viens ici. Photo. Voilà. Je capote, là. Elle est rendue amie avec ma mère puis ma soeur. T'avais raison, elle est vraiment intense. Chance que t'étais là pour m'ouvrir les yeux. Ça va faire 20$ pour la consultation. J'ai pas le choix. Faut que je dise d'oublier ça. Mais c'est vraiment ta meilleure idée de la journée, ça. Maud! Tu t'ennuies déjà de moi. T'inquiète pas, là, on va se voir à l'école demain. Malheureusement, oui. Est-ce que Mélanie t'a fait mon message? Quel message? Je voulais savoir si tu veux faire partie de l'équipe du journal. T'écris bien, t'as des super idées. Moi, je suis trop épais pour ton journal. Ouais, même Madame Préfontaine dit que je serais bon. T'es bien mal placé pour me demander quoi que ce soit. C'est oui, Maud. J'embarque. Yes! C'est qui les autres journalistes? Pour l'instant, il y a moi, Julie-Pierre, puis ben toi. Salut, Maud! Moi aussi, j'aimerais ça faire partie de l'équipe du journal. Mais tu me dis non ce midi. Oui, mais je croyais qu'il y avait juste des secondaires 3 ou 4 là-dedans, là. Ah, oh, papa! 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 Oh, mais moi, faut que j'aille. Bye! 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 Bye. Bon, là, je peux arrêter de stresser. J'ai déjà 4 noms sur ma liste. Ça devrait pas être trop dur d'en trouver un cinquième d'ici vendredi. Je veux pas être poche, là. Ben, en fait, oui. Je vais être poche, mais quand Mélanie va se rendre compte que Samy est pas vraiment intéressé à elle, ben c'est clair qu'elle va lâcher le journal. C'est vrai, ça. Mais t'es pas obligé de lui dire. Tu sais, Mélanie, elle a un kick aux 3 secondes, là, elle va s'en remettre. Peut-être, mais j'ai pas le goût de la niaiser. Il faut que j'y parle. Je pourrais pas attendre jusqu'à vendredi. Au moins, là, je vais avoir mes 5 noms pour le journal. S'il te plaît. OK, c'est correct, là. Je vais attendre à vendredi avant de lui parler. Oh, merci. Enturer Mélanie jusqu'à vendredi, grosse période de prolongation, vous savez? Ben ça, c'est moi qui vais te lancer. Allez, les gars! Pour jouer ou revoir des émissions, visite le site web de Subito Texto.